Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous voyez le décor a changé parce que je suis dans une nouvelle maison. Je viens de déménager, donc là je suis pas encore dans mon nouvel appartement, mais j'habite tout en bas en attendant que l'appartement soit fini. Donc si vous entendez des bruits de marteau ou des bruits de travaux, c'est normal, c'est parce les ouvriers sont en train de travailler dans l'appartement. Voilà, si c'est vraiment trop fort, je ferai une coupure dans la vidéo. Alors dites-moi déjà dans les commentaires si cet environnement vous plaît avec ma bibliothèque. Comme ça, je pense peut-être pour toutes les prochaines vidéos lecture de le faire dans cet environnement. Je vais vous parler du livre Récit d'un voyageur de l'Astral de Daniel Meroy et Angie Vaudan. Avant de vous parler du livre, je vais peut-être vous raconter comment il m'est arrivé entre les mains, parce que c'est assez magique. En fait, la dernière fois que je suis rentré en Belgique, je suis parti à Bruxelles pour rencontrer David de la chaîne YouTube Altruisme Essentiel. David partage beaucoup autour des voyages astro, c'est un de ses thèmes principaux de sa chaîne YouTube. Il nous partage ses expériences, comment faire. Il a aussi créé une formation en ligne. Donc moi, je suis parti le rencontrer parce que c'est un sujet qui m'intéresse et parce que je trouvais le personnage très intéressant et j'avais envie de le rencontrer. Donc ça, vous pouvez voir sur ma chaîne. On a fait plusieurs vidéos ensemble sur le sujet du voyage astral. Donc ça s'est passé à Bruxelles. Après, je suis reparti à Liège le lendemain. Et souvent, j'ai l'habitude de passer dans un endroit où on peut acheter des livres d'occasion. Je suis passé là-bas pour voir si je trouvais pas quelque chose d'intéressant. Et là, dans le rayon spiritualité, on va dire, j'ai trouvé ce livre. Donc, je me suis dit, pas de hasard, je viens juste de rencontrer David, on a parlé des voyages astro. Et là, je tombe directement sur ce livre et je n'avais jamais lu aucun livre sur le sujet. J'ai juste découvert ça par internet il y a pas très longtemps. Donc je l'ai acheté, je pense à 2 €, un truc comme ça. Donc ça peut être sympa pour vous si vous aimez aussi la lecture. Allez checker dans les bookstores, dans les endroits où il y a des livres d'occasion. On trouve souvent des belles choses. À prix très bas. Deuxième anecdote avec ce livre, après je suis reparti au Maroc et dans l'avion j'avais une place à côté du hublot et pour une fois j'avais pas de voisin à côté de moi. Apparemment les places n'étaient pas achetées. Et à un moment je vois deux filles qui, je pense, étaient ensemble et à des places séparées, qui ont demandé au steward si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. Donc il lui dit OK. Donc le vol se fait, je vois que la femme à côté de moi est aussi en train de lire un livre. Et quand je vois quelqu'un qui lit un livre, je suis toujours curieux de voir ce qu'il lit. Et là, c'était un truc de fou parce que moi, j'étais en train de commencer ma lecture de ce livre et elle lisait un livre sur le même sujet, donc sur les voyages astro, les sorties de corps. Et c'était un livre de Anne Givaudan, donc la même auteure que moi. Je ne sais pas le pourcentage de probabilité pour que je tombe à côté de quelqu'un qui lit un livre du même auteur que moi. Mais ça m'a juste donné beaucoup de joie, parce que pour moi, chaque fois que je vis ce genre de situation, c'est comme un signe de l'univers pour me rappeler que je suis sur un bon chemin, que je suis sur mon propre chemin et que je suis soutenu dans ma démarche. Donc ça, je vois ça comme un clin d'œil en fait de la vie. Alors si vous avez envie de lire ce livre, je vous mets un lien directement dans la description de la vidéo et peut-être que vous réussirez aussi à le trouver en occasion quelque part, mais sinon vous avez le lien directement dans la description. Bon, un voyage astral, qu'est-ce que c'est? En fait, un voyage astral, c'est
Le moment où tu vas avoir la possibilité de quitter ton corps physique, donc par exemple le moment où tu vas dormir ou que tu es allongé, tu vas pouvoir rester conscient. Tu vas rester conscient le moment où ton corps spirituel, si on peut l'appeler comme ça, va sortir de ton corps physique pour rejoindre le monde de l'astral. Donc le monde de l'astral, c'est en fait le monde du rêve. Donc on y va tous chaque nuit, sauf qu'on n'est pas conscient de ça. Souvent on oublie même ce qui s'est passé. Donc on va dire que ce serait une sorte de dimension, l'astral, qui regroupe le moment où tu rêves, le moment où tu fais des voyages astraux, le moment où tu fais des rêves lucides. Ça pourrait aussi être l'endroit où il y a les expériences de mort imminentes. En fait, toute cette dimension, tu vas pas la vivre de la même façon suivant ton état de conscience pendant l'expérience. Donc c'est comme ça que je l'ai compris. Je l'ai pas encore expérimenté moi-même, mais c'est un sujet qui est intéressant, je trouve, à connaître et à découvrir. Je t'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo le petit danger qu'il pourrait y avoir. Donc ce livre-ci est un peu particulier parce qu'il y a deux auteurs, donc comme je t'ai dit, Daniel Meroy et Anne Givaudan. Anne Givaudan, je pense qu'elle a écrit pas mal de livres très intéressants. Je l'ai vue souvent dans mes recherches un peu, et certains amis me l'ont conseillé. Je pense qu'elle a écrit aussi un autre très beau livre sur le voyage à Shambhala, qui est aussi un retour d'expérience de voyage astral. Alors là, deux auteurs, ce que je peux te dire, c'est ça peut être un peu perturbant quand tu lis le livre, parce que comme tu sais qu'il y a deux auteurs, des fois tu pourrais te demander, mais c'est qui vit l'expérience exactement? Et dans le début du livre, c'est pas forcément clair. Tu sais pas si c'est Anne ou si c'est son mari. Ou en tout cas, je l'ai peut-être pas compris. Peut-être que c'était expliqué, mais je l'ai pas compris. À la fin du livre, j'ai compris qu'en fait, c'était surtout Daniel qui faisait les expériences et les rencontres. Alors, mes impressions sur ce livre, je peux te dire que j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture, mais je m'attendais pas à ça, en fait. En fait, je m'attendais à un livre qui explique qu'est-ce que c'est le voyage astral, comment ça se passe, les phénomènes de sortie hors du corps. Et en fait, c'est pas vraiment ça que j'ai découvert. En fait, le livre, c'est la rencontre des deux auteurs dans la dimension du voyage astral avec un guide de lumière. Et ce guide va leur expliquer un peu les origines de l'humanité, les origines de l'homme et son devenir. Donc c'est un dialogue entre les expérienceurs et avec ce guide. Ça m'a fait beaucoup penser à Conversation avec Dieu. Je sais pas si tu as lu ce livre, je l'ai juste ici. Il y a trois volumes. Conversation avec Dieu, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué au début de mon chemin spirituel. Et j'ai retrouvé un peu des ressemblances dans la narration. Donc c'est beaucoup des questions et des réponses, des questions des expérimenteurs au guide, et le guide va un peu leur expliquer vraiment tout ça, l'origine de l'univers, de l'homme, les anciennes civilisations. C'est très très intéressant. On apprend beaucoup beaucoup de choses. D'ailleurs, je trouve qu'à un moment, c'est trop d'informations, trop de références. Mais voilà, c'est pas forcément un défaut. Ça permet de se replonger dans le livre ou de pouvoir faire des recherches en parallèle. Donc voilà, super, super bonne surprise. J'aime bien quand je prends un livre qui puisse me surprendre. Et là, ça a été complètement le cas. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce genre d'histoire, ce genre de rencontre. Et j'ai appris pas mal de nouvelles choses en lisant ce livre aussi. Donc, comme pour chaque lecture, je prends le temps en même temps que je lis, c'est de prendre des notes, de garder les passages qui m'intéressent vraiment
Et là, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais te partager quelques passages qui m'ont plu ou qui m'ont apporté des éléments de compréhension dans mon chemin. Premier petit passage, il nous dit: les premiers instants qui suivent la mort, l'âme du défunt entre dans le monde qu'elle s'attendait à trouver. Ça, c'est une information que j'ai déjà vue par le passé. Ça veut dire que, par exemple, si tu es croyant, que tu crois, je sais pas, en Jésus ou au prophète Mohammed ou je sais pas quelle divinité, le fait d'avoir cette croyance et de croire vraiment intérieurement en toi, le moment où tu vas mourir ou le moment où tu vas faire une expérience de mort imminente, il y a de grandes probabilités que tu fasses la rencontre avec ce que tu crois dans ta tête. Donc, si tu crois en Jésus, tu vas peut-être le rencontrer, tu vas peut-être discuter avec lui. Si tu crois au paradis, tu vas peut-être arriver dans un paradis. Si tu crois à l'enfer, que tu mérites d'aller en enfer, bah, peut-être il y a des grandes chances que tu vas te retrouver en enfer. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir comprendre ça et de réaliser que ici, dans notre expérience terrestre, nos croyances ont un grand impact sur notre réalité. Donc, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, ça a des répercussions dans notre façon de vivre, dans les aventures qui nous arrivent, toutes les expériences qu'on fait. Et ben, apparemment, ce serait aussi le même cas de l'autre côté. En tout cas, dans la première partie de l'autre côté. Une autre confirmation que j'ai eue dans le livre, c'est par rapport à tous les textes sacrés. Donc, la Bible, le Coran, les textes indiens, toutes les écritures sacrées de l'humanité. Là, il confirme qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs niveaux de conscience du texte. Et il le classe en trois niveaux. Donc le premier niveau, ce serait de prendre le texte dans son sens littéral sans aller plus loin. Donc ça s'adresse aux simples croyants. Donc il lit le texte et il le prend comme ça, il le digère comme ça, comme si c'était la vérité, comme le texte est écrit. Le deuxième niveau, c'est le niveau du symbole et de l'allégorie. On pense que le texte est imagé. On cherche la réalité cachée sous les images. Donc dans ce niveau, on va vraiment chercher qu'est-ce qui se cache derrière les paraboles, derrière le symbolisme, qu'est-ce qui est caché derrière. On va vraiment chercher le sens caché pour mieux comprendre le message. Troisième niveau, c'est le niveau ésotérique ou occulte. Ce niveau-là nous dévoile les plus grandes vérités cachées dans un texte sacré. Et c'est pratiqué par vraiment les initiés. Ce qu'on nous rappelle aussi, c'est que pour connaître quelque chose, il faut vouloir le connaître. Ça paraît logique, mais voilà. Si tu veux vraiment connaître une chose, ben tu vas vraiment aller en profondeur. Et une petite citation qui va bien avec cet extrait de saint Augustin. Il nous disait: cherchons comme ceux qui doivent trouver, et trouvons comme ceux qui doivent chercher encore. Voilà, donc c'est assez clair. Donc tu cherches avec l'envie de trouver et tu trouves avec l'envie de chercher encore. Ça veut dire que ça s'arrête jamais. Tu vas toujours vouloir chercher plus. Un autre passage que j'ai beaucoup aimé, il nous dit que le moins et le plus, on pourrait dire le négatif ou le positif, ne représentent que les manifestations différentes d'une seule et même forme. Une force ne pouvant exister que par rapport à son contraire, elle contient en elle-même l'essence de son opposé. Ça veut dire qu'en fait, tout est sur le même niveau. Donc la gentillesse et la méchanceté, le bien ou le mal,
enfin, tout ce qui est dualité, ce serait sur le même niveau et que ce serait en fait la même énergie. Soit à un moment tu bascules plus d'un côté, soit plus de l'autre. Ça, c'est un choix que tu peux faire dans ta propre vie. Un second extrait sur la vie après la mort. La vie après la mort n'est pas encore la vraie vie. Si l'on découvre une lumière éblouissante en passant les portes de la première mort, cette lumière n'est rien comparée à celle qui nous attend une fois passé le seuil de la deuxième mort. Les gnostiques l'appelaient autrefois la lumière de la lumière. La seconde mort, c'est précisément la mort de l'âme, du corps astral, du mécanisme karmique. Ce peut être aussi la mort initiatique de l'alchimiste et du mystique. C'est l'instant où l'homme, étant passé par tous les degrés d'évolution terrestre et astrale, devient l'homme, avec un H majuscule, parce qu'il a intimement compris qu'il était le grand héritier de l'amour de Dieu. Voilà ce que le Christ Jésus savait parfaitement. Donc c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'il y a le passage après la mort, tu vas te retrouver dans un endroit, mais c'est pas encore la destination finale. Et ça rejoint aussi le concept, enfin la supposition qu'en fait on serait en quelque sorte piégé sur la planète Terre. Donc faut comprendre on n'est pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle, mais on est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. On est ici sur la Terre pour expérimenter, mais on ne vient pas d'ici. Et la planète Terre, ça pourrait être aussi une sorte de piège, je ne sais pas si c'est le bon mot. Ça voudrait dire qu'on serait bloqué ici et chaque fois on se réincarne dans un autre corps physique pour continuer l'évolution de notre âme et tout ça, et que ça se répète en boucle. Et apparemment, il y aurait un moment où on peut dépasser ce stade, casser le cycle des réincarnations pour retrouver vraiment vers cette lumière de la lumière, où ça pourrait être le mot Dieu. Ça, c'est très présent aussi dans les croyances hindoues par rapport à la réalisation de soi. Donc un petit mot aussi sur le danger possible de vouloir trop partir dans le monde astral, qui je trouvais très très bien expliqué. Je vous lis cet extrait. Que les hommes, en lisant ces lignes écrites jusqu'à présent, ne fassent pas du monde de l'âme l'objet de leurs désirs. Le monde astral est celui de l'après-vie terrestre pour les êtres qui n'ont pas encore affiné suffisamment leur moi. Il n'est rien d'autre. Il n'est ni le paradis ni le nirvana. La réalité est dans l'esprit. S'il faut connaître les plans astraux, ce n'est pas pour les rejoindre, mais pour les dépasser, pour ne pas les identifier au but. Avec beaucoup d'amour, tout être peut retourner en lui-même, en son esprit. Priez, faites prier, agissez et faites agir pour cela. Voilà, je trouve ça très beau. Donc, oui, c'est intéressant de connaître le plan astral, c'est intéressant de pouvoir partir dans d'autres dimensions, mais c'est peut-être pas forcément notre but ici en tant qu'être spirituel venu sur Terre. Voilà, je trouvais ça pas mal de le souligner et le dire de cette façon. Un dernier extrait que je vous partage. L'homme vrai fut créé semblable à Dieu. Je sais qu'en Occident, on représente souvent Dieu comme un vieillard barbu sur son nuage, mais j'espère que l'idée ne viendra jamais sérieusement à quiconque
d'affirmer que Dieu a les traits d'un homme ou d'une femme. L'être unique est l'esprit qui englobe et anime tout. L'esprit pour qui tout existe et qui contient en lui les deux principes universels, le masculin et le féminin, l'actif et le passif. Je vibre assez fort aussi avec cette information que Dieu ne serait pas d'un profil masculin, exclusivement masculin ou exclusivement féminin, mais qu'il engloberait les deux aspects, l'actif et le passif en lui-même. On va terminer les extraits avec la conclusion du livre que j'ai trouvé magnifique. Donc cette conclusion nous dit: il existe dans l'univers une réalité suprême et éternelle. Elle se place au-dessus de toute querelle politique ou religieuse. Elle aborde comme devise un mot, un seul mot, l'amour. Voilà, c'est ça la conclusion du livre. C'est la conclusion, c'est l'amour, l'énergie de l'univers, l'énergie de Dieu. C'est pas des petites choses politiques, religieuses, toutes nos croyances humaines. En fait, c'est l'énergie de l'amour. Bon, j'espère que cette vidéo sur ce livre t'aura intéressé. Si jamais tu es resté avec moi jusque maintenant, ça veut dire que tu es assez intéressé par mes partages et ce que j'échange avec toi au quotidien. Donc là, l'action que je te proposerais, ce serait de t'inscrire sur mon infolettre. Donc j'ai créé ça il y a quelques mois. C'est un lien en fait entre toi et moi par email. Donc je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux rejoindre mon infolettre. Il suffit juste de mettre ton adresse email, ton nom, ton prénom et c'est parti. En échange, tu recevras une première méditation guidée et je suis en train de préparer des nouvelles méditations aussi que je te partagerai en privé par email. Et pour terminer, tu peux me dire dans les commentaires si tu as toi aussi lu un livre sur le voyage astral. Tu peux me dire c'était quel livre, si c'était intéressant ou pas. Peut-être que tu as lu ce livre-ci aussi. Donc n'hésite pas à me dire toi comment tu l'as ressenti. Et je salue les deux auteurs, donc Daniel Meroy et Anne Givaudan. Si jamais ils tombent sur cette vidéo, j'ai passé un très bon moment en lisant votre livre et je le recommande vraiment à tous les lecteurs potentiels qui sont intéressés par ce genre de sujet. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous. À bientôt.